Une année 2013 en baisse par rapport à 2012. C'était prévisible, dans la mesure où nous sommes dans une période de crise économique, que la clientèle fait très attention à ses dépenses. C'est vrai que nous sommes à 10 000 km des marchés émergents, de nos principaux marchés. Et cette baisse aurait pu être beaucoup plus importante. Nous revenons à notre niveau des années 2010. Maintenant, nous devons travailler pour augmenter cette fréquentation de la Réunion. Cette baisse est due au problème de crise mondiale. Les ménages ont moins d'argent, les ménages font beaucoup plus attention à ce qu'ils font. Les ménages consomment différemment. Hier, on faisait un grand voyage dans l'année. Aujourd'hui, on fait plusieurs petits voyages. C'est ce qui peut expliquer la baisse de la fréquentation de la Réunion. Vous dire également que sur le plan de la desserte aérienne, nous avons eu en 2013 72 000 sièges d'avions de moins qu'en 2012, et cela a eu un impact négatif sur la fréquentation de la Réunion. Justement, comment est-ce que vous allez rebondir? Je pense que nous devons faire du lobbying auprès des compagnies qui desservent la Réunion, trouver d'autres solutions, par exemple davantage de combiner avec les pays avoisinants, peut-être trouver d'autres hubs pour amener à la Réunion d'autres touristes. On a également la problématique des visas. Si nous visons la clientèle asiatique, je pense que nous devons alléger davantage la procédure d'obtention des visas pour les Chinois et pour les Indiens. Marché France principalement, qui est en crise, notamment par le changement d'habitude des consommateurs, notamment par rapport à la crise requin, qui a des effets et des retombées médiatiques très importantes et négatives. Et puis, bien évidemment, des raisons, on va dire, liées à l'aérien et aux visas, qui sont vraiment des leviers importants pour nous. Au niveau des îles voisines, comment ça se passe ? Les îles voisines, alors notamment l'île Maurice, qui accuse moins 12% sur le marché France, mais qui arrive à réguler avec justement l'ouverture sur des marchés émergents de type Asie. Est-ce que ça donne des idées pour la Réunion ? Les idées, nous les avons depuis déjà un certain moment. Maintenant, on attend de les mettre en œuvre. Qu'est-ce qui manque ? Une décision gouvernementale et politique importante. Vous avez quelle possibilité d'agir là-dessus ? Du lobbying, principalement. On intervient pour faire comprendre à nos politiques qu'il est important, en tout cas, d'ouvrir le ciel, d'ouvrir à d'autres compagnies aériennes, d'ouvrir sur des visas et de diversifier nos clientèles.